Salut tout le monde, c'est Trans44, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, le FC Nantes reçoit le RC Lens. Coup d'envoi à 17h. Lafond. Compétition. La présentation des équipes du FC Nantes. André Giroto. Numéro 29, Quentin. Numéro 5, Pedro. Numéro 8, Samuel. Numéro 10, Ludovic. Numéro 27, presque plein. Salmon. Comme vous voyez. Numéro 31. Mustapha. Mohamed. Un parquage blindé. Mais de blindé de blindé. Numéro 16. Rémi Descamps. Numéro 24. Sébastien Gorchia. Numéro 17. Moussa Sissoko. Plus de 1000 passés supporters lensois. Marcus Rousseau. Numéro 14. Miguel Gisganago. Et numéro 55. Kader Bamba. Avec Ligue 1 Uber Eats. Je reprends, voilà. En train de développer les grands tifos. C'est un canari qui est. En tribune noire par nos ultra nantais. Oui. Elle est beau, hein. Et voilà le petit fou total en tribune noire. C'est le canari. Le canari. Combien je sais pas, mais c'est pas guichet fermé. Comme d'habitude, hein, les gens, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est pas déjà fait, activez la petite cloche, le petit partage. Et on se dit bon visionnage. Ah, et puis Michène. Thank you.
Ça sent les œufs pourris. Ça sent les œufs pourris. Merci aux nos ultras nantais. Provisionnage, viens tout de suite pour la suite. Ouais, allez Nantes, allez. Il y a l'ambiance sur les deux côtés des tribunes. Toujours deuxième mi-temps, 0 à 0. FC Nantes, RC Lens. Les gars, allez non, chalala, chalala, allez non, allez non, chalala, chalala, ouh, allez, non, ouh, allez, non, ouh, la 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 la, allez, non, la 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 la, ouh, allez, non. Bien, mais plus fort que ça, les amis. Plus fort que ça, les amis de la tribune. Boum, 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 boum. Et pas ça, tabarnak. Avec Vincent au Ficar 44 et Monsieur Caillou, on va prendre notre casse dalle chez Lolo. Et voilà la petite dernière partie, le petit briefing du match de ce soir du FC Nantes contre le RC Lens pour la 8e journée de Ligue 1. Un match nul, 0-0. Pas très top sur le terrain, c'était pas cool, on va dire.
Une belle ambiance, comme d'habitude, en tribune noire par les ultra nantais. C'était merci encore aux nous ultra, c'était magique. Ce tifo, la banderole avec le canari qui est comme ça là. C'était super cool, j'ai bien aimé. Avec les grandes bâches jaune et vert et noir, c'était magique. Encore merci à nos ultra nantais. Voilà, c'était beau. Et voilà, maintenant ça va être la trêve pendant 3 semaines. Il y a l'équipe de France qui vont jouer. Voilà, j'étais avec 2 abonnés. Je vais mettre leur page YouTube dans les liens de Flicard44 et Calou44 avec mon Instagram et mon TikTok. N'hésitez pas aussi de follower mon Insta. Je suis moins actif sur TikTok, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre des vidéos. Alors, allez, jetez un petit coup d'œil si vous voulez. Abonnez-vous plus à mon Instagram, je suis plus actif sur Insta que TikTok. Et avec la petite déco du FC Nantes. Et voilà, on dit quoi de plus? Bon visionnage. Abonnez-vous comme d'habitude à ma page YouTube. Le petit commentaire. Activez la petite cloche. Comme d'habitude aussi. Le truc le plus important. Le petit commentaire, ouais. Le petit partage, le petit abonnement. Et on se dit à très vite. Alors, le foot, l'ambiance à la Beaujoire ou à l'extérieur, parce que je vais peut-être faire le déplacement à Rennes pour les matchs de coupe Europa League. Je fais pas de déplacement, mais j'ai le pack. Je serai au prochain match à 18h45 à la Beaujoire. Face à qui, le nom, je peux pas vous dire, parce que j'ai pas de mémoire énorme. Mais voilà, c'était juste pour vous dire. Dans 3 semaines, le retour des ambiances au stade de la Beaujoire. Et après, il y a les jeux vidéo comme d'hab qui vont venir soit tous les soirs ou tous les 2 jours en multijoueur seul ou avec des amis ou avec mon frère Steve44. Les jeux en solo, les jeux de voiture, GTA, Red Dead. J'ai téléchargé, acheté des jeux sur Steam, Bus Simulator 21 et bien d'autres. Et voilà. Allez, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo et bon visionnage à tous et toutes. Et allez, Nantes, bye bye.